je viens de regarder l'heure, il est 4h10. On a 20 minutes avant que la navette qui vient nous chercher arrive. On en avance, on est prêt, on est propre, on est dispo. Je dis pas qu'on est très réveillé, mais au moins on est prêt. Il reste juste à fermer la dernière valise dans laquelle il y avait la trousse de toilette à mettre. Et après ça, ce sera bon. On n'a plus qu'à attendre. Et puis, ça va être intense comme journée. On est content de repartir. Vous laissez me les donner, moi je m'en occupe. Heure numéro 2, on est dans le véhicule avec le chauffeur qui nous amène à l'aéroport. À 5h46, on vient d'arriver à l'aéroport et puis on est en avance. Oui, on est en avance. Ouais. On peut aller faire le check-in à partir de 6h. Dans 1h30, 6h10. Mais non. Dans 5h45, dans 15 minutes. Audrey est fatiguée. Par contre, les enfants ne dorment déjà plus du coup. Donc ça va être chouette. On était censé décoller dans 40 minutes, mais en fait notre vol a été changé et on décolle à quelle heure? 9h10, donc 1h30 après. Donc on prend un petit déjeuner tranquillement, tous les quatre posés. Pas de stress, on avait déjà pas de stress prévu avec les horaires qu'on avait. Mais là du coup, positivement. Hein. Oui, et puis on a reçu un message aussi de notre chauffeur qui devait nous récupérer à Cancun pour nous emmener jusqu'à All Box. Il nous a dit que sa voiture avait un problème et qu'il ne pouvait pas faire le service. Donc on connaît le fonctionnement mexicain, donc on se doute que c'est pas forcément le cas. Mais c'est pas grave, on se dit que voilà, on va se débrouiller autrement. De toute façon, on sait comme ça, donc ça sert à rien de s'énerver ou de se frustrer. On a cherché d'autres solutions. Et puis s'il n'y a pas de réponse qui soit arrivée d'ici là, et ben, on trouvera une solution sur place. Oui, on est très détendu, vraiment. On est très content de repartir, ça se voit. Hein. 8h30 du matin, on vient de passer les trucs des douanes là pour voir si on n'est pas des gangsters. Et il y a Timothy, il est tout content parce qu'il voit les avions. Tu vois les avions, Titi? Timothy, regarde. Ici. Regarde, tu dis bonjour aux compagnons. Ça va, Loulou? Bonjour. 8h40 du matin et on est à l'embarquement. On est dans l'avion? Oui, oui. J'ai pris mon sac et mon laf. Oui, cool. On en a pour 11 heures maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, on va aller à la piscine et à la mer. Oui. Ça va, maman? Ça va. Moi, je peux dire encore un truc. Oui, qu'est-ce que je voudrais dire? Mais en fait, je vais retourner au Mexique. Et après retourner en France. Ah bon? Trois fois comme ça. Vous voyez? T'as chez Olaf? Oui, avec moi, regarde. Je dis que là, je ne sais pas. Oui, on a décollé, moi j'aime bien décoller.
fait on vient de décoller mais... vu que c'est pas grand. Le transport en fait avec l'hôtel, ils vont venir nous chercher, ça au moins c'est plus sérieux que... Enfin bref, c'est pas grave, on le prend pas mal du tout, on se dit que c'est pour nous rappeler que on était au Mexique. Faut pas se prendre la tête, dit Seb. Oh my god, il fait trop bon. Voilà. Et bien on a bien retrouvé notre chauffeur en 19e heure en fait déjà. Et puis on continue parce que c'est pas fini. Lanor s'est endormi. Et Lanor dort. Hop. Bon, on est au Mexique hein, donc du coup on s'attache comme on peut. Titi a un siège. Mais Titi a un siège. Ouais. Il est pas content. T'es pas content? T'es pas content? T'as chaud déjà? Ouais, j'étais pourtant mis tout nu mais... Il fait bon, il fait trop bon, c'est agréable. Bon, allez, on prend la route.
papa il va essayer de retirer les sous pour pouvoir payer la navette. 22h30 heure européenne, on va dire française. Ici il est 16h30, 6 de moins. Et ben on n'est pas encore arrivé. On a encore un peu de route. Je sais pas encore trop combien pour sur plus d'une demi-heure, sachant qu'en plus après ça on monte dans le bateau et puis après on va jusqu'à l'hôtel. Donc je sais pas encore trop, mais il n'y a pas de doute, on est bien arrivé au Mexique. Il y a 21h pétante, notre réveil sonné. On est toujours en route. On arrive a priori, Valentin, notre chauffeur, nous a dit que... Oh, j'ai du réseau, exceptionnel. Dans 10 minutes, on arrivait au ferry pour... enfin, au port pour prendre le ferry pour Holbox. C'est vraiment des paysages assez différents de ce qu'on voit d'habitude. Il y a énormément de verdure, de flore, beaucoup, beaucoup d'arbres. Hein, chaton, je sais pas ce que t'en penses. Je pense plus là, moi je suis décalqué. Ça y est, le cerveau est en pause. Je vous montre. This is Chiquila. Chiquila. Ça y est, ce coup-ci on est arrivé à Chiquila. Donc c'est là qu'on prend le ferry pour l'île. Et d'ailleurs, on voit la mer et je crois qu'on voit l'île au bout. Le ferry est pas très 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 long. Bah non, presque on va à la plage. Il manquera plus que le train, on aura tout pris aujourd'hui. C'est quand même dingue comme en 24 heures il y a moyen de changer de paysage. Alors la vidéo ça s'appelle comment? Comment voyager pendant 24 heures sans, avec des enfants sans qu'ils dorment? Un truc comme ça non? Il y en a plein qui disent mais non mais c'est plus possible de voyager avec des enfants. Mais si c'est possible. Qu'est-ce que c'est cool le centre. Ouais, par contre c'est inondé hein. J'ai vu la plage. C'est véritable hein. Pas ce soir mais demain on ira. Là on va aller se coucher je crois. Moi j'ai vu la plage. T'as vu la plage? Oui. Et Olaf aussi? Oui. Après plus de 21 ou 22 heures, on est enfin arrivé. On sait même plus combien de temps ça fait. Et nous sommes à la Casa Blata. Vas-y, Mika. Attends, ça va, je vais la prendre.
Ok, ok. Ça va? Oui. Ça va. Merci. Merci. Tu dis bonjour, Eleanor. Tu rends Eleanor, tu parles français? Ben, je savais pas. Bien. Vous parlez français? Oui. Aussi? Pardon, j'écris pas très bien. C'est pas grave. Oui. Je vais essayer de communiquer. Mais enchanté. Super. Oui, enchanté. Muchas gracias. Bienvenue, famille. Oui. Contente de te rencontrer en vrai. Oui. Du coup. Hola. Hola. Bienvenidos. Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Juste le moment pour faire le check-in. Oui. Super. Oui, le registre normal et tout ça. Je suis besoin de le passeport, si c'est possible. Oui. Je sais pas si c'est facile de le prendre. Si, si, si. Hola. Que tal? Bien. Bien. Me paraissait recommander que... Bon, ça y est, on a dormi quelques heures cette nuit. Ça a été un peu dur parce que Eleanor s'est réveillée, elle avait très très faim et du coup on n'a pas pu se remettre sur le décalage horaire comme on le voulait. Donc bon, c'est pas grave, on fera ça la nuit prochaine. On va essayer. Qu'est-ce qu'on est bien? Ouais, on est bien. Donc si vous voulez voir un peu l'hôtel où on se trouve, c'est donc ça s'appelle la Casa Blata. Et on vous met le lien dans la description. C'est assez sympa, c'est très nature. On vient de prendre notre petit déjeuner, c'était trop bon. Ouais, on vous montrera plus de détails dans la prochaine vidéo de Lille. On va vous faire des vidéos de fou parce que ça s'annonce. Voilà, on a rien vu encore. Hein. Là, on est le matin, il est 9h30 du matin. Donc on a rien vu hier quand on est arrivé, il faisait noir. Et en... il y a des loulous là-bas qui se balancent. Et hop. Ouais, c'est ça, on a pas vu grand chose, mais dans la prochaine vidéo, ça promet de... Ce matin, on est allé voir la plage. Ouais, ça promet d'être sympa parce que ça a l'air... Bah, ça a l'air... C'est vraiment beau comme il est, c'est très 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 préservé, les voitures n'ont pas le droit d'y circuler, on fait tout à vélo ou en petite voiturette de golf, et puis c'est vraiment dépaysant. Ouais. Ça va nous plaire et ça va vous plaire. En tout cas, si vous avez aimé ce petit retour au Mexique pour nous, un petit pouce. Vous pouvez pas ne pas aimer quand même. Puis si vous nous rejoignez par cette vidéo, ben rapidement, qu'est-ce qu'on a fait en fait et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on voyage à la base à bord d'une caravane. On était parti du Canada, on a traversé les États-Unis sur la côte est, on a traversé une partie du Mexique. Et là, on était rentré pendant 4 mois en France dans lequel on a voyagé à travers un camping-car. Et là on vient de revenir hier, donc dans cette vidéo comme vous le voyez, au Mexique. On est ici pour une semaine dans la région de Cancun, donc on est à 2h30 de Cancun sur une île. Et on repart vers Mexico City, on reprend un avion dans une semaine. Le 4. Pour aller retrouver la caravane qu'on appelle Liberty et pour continuer l'aventure avec notre caravane. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir cette magnifique île et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. T'as dit bye bye? Bébé, c'est toi. Salut.